la zone sud de Syrie de l'indépendance. Donc, c'est un petit peu difficile nous-mêmes pour nous dire à nous dans la zone ça, mais j'en dis là, l'information qui est sortie, les sources plusieurs font réel et radio locale dans la Syrie de l'indépendance, donc qui ont annoncé qu'il y a un caï qui effondré effectivement dans la zone Châtelain. Après ça, ça n'a comme information qui est sortie dans la commune Gaumont, donc des gars où il y a vraiment considérable. Il parlait de l'école qui tombait dans la zone ça, il y a l'église qui tombait, et en plus l'autre mur, édifice public qui fissurait dans la commune Gaumont. Donc commune Gaumont qui semble les plus touchée par rapport à la commune Gonaïve jusqu'à présent, Saint-Junior. Parfait. Bon, on a été connecté, si il y a du plus, très certainement, après l'autre. Donc justement, c'est samedi. Donc on a été en contact et demain, on attend l'autorité de protection civile, donc même cap bien pour dresser un premier bilan pour dire qui ça a simplement été à lui-même les faire comme dégâts dans le département de l'Antibonite. L'autre, avant de quitter, Kounia, Gonaïve a dormi là? Gonaïve, il a dormi. Oui. Gonaïve a dormi, tout pour entrer la caillou, hein? Non, bon, oui, plus fort pour entrer la caillou, mais il y a des gens qui ont fait constat, nous avons des gens qui ont chita devant la cour la caillou, dans la rue, donc ils ont peur pour les accrocher, donc, parce qu'ils ont toujours pensé capable qu'ils ont réplique. Parfait. Merci, Mergena. Merci, Sergio. Voilà, merci infiniment, Mergena Exalus, depuis Gonaïve, cité l'indépendance. Vous ne connaissez comment la réalité a été, dans le moment où a été tremblé, et comment ça y est après, et qui ça, et situation mounioye, et qui est dégâts, qui méritait, qui fait que méritait signaler, qui ça gagne en termes de dégâts. C'est tout ça en rapport avec correspondant nous, correspondant permanent TNH, dans cité l'indépendance. À nous préciser, après, et très le mental a fait produit, le gouvernement république là a annoncé, gagne une cellule qui m'était campé, une cellule de crise, sous instruction, bien entendu, président républicain Jovenel Moïse, et cellule ça, Ligon Ladani, ministre intérieur à collectivité territoriale, ministre santé publique à population, ministre planification à coopération externe, ministre justice à sécurité publique, ministre défense, ministre environnement, secrétaire d'État communication, ministre affaires sociales et travail, puis secrétaire général conseil ministre, c'est ensemble de ministères, secrétaire d'État ça qui en dedans cellule crise cap gagné très certainement pour porter réponse qu'il faut dans zone côté dégâts à enregistrer suite à passage à tremblement de terre ça, c'était samedi 6 octobre là, magnitude 5.9, ça passait vers 8h11 samedi 6 octobre là, une sorte de précision, ingénieur Claude Prepti, directeur général bureau Minac Énergie, qui parlait de côté et puis cette plantée, c'est dans la tortue, et puis cette plantée dans la main, et ça fait, après la nouvelle, ça a fini tomber grand pile, monde qui était, quoi que tu as capable de gagner un tsunami, puisque et puis cette plantée dans la main, et là, ingénieur Prepti soulignait pour nous, il se parlait en direct sous télévision nationale d'Haïti, magnitude là trop faible pour ta capable de gagner un tsunami, en plus tout, c'est on dit 15 à 20 minutes après séisme, pour ta gomba et consacre produit, là, maintenant, et pour tout le monde qui a parlé de questions à l'aide à son nom, pas de bagarre comme ça, selon précision, ingénieur Claude Prepti. Toujours bon côté gouvernement, il y a un message qui sous compte de Premier ministre Jean-Henri Séan, il soulignait le gouvernement présentait toute sympathie, il y a tout le monde qui est victime, et l'informer la population, il a pris toutes mesures nécessaires pour porter concours, côté qui besoin ça. En attendant le gouvernement porter secours à prendre les populations, garder tout sans foile, si tu as gagné, réplique. Et j'en suis souligné là, sous instruction président de la République, là, il y a une cellule crise qui montait à Scroya pendant le gouvernement, il y a un week-end travail. Pour le président de la République, Jovenel Moïse, il y a un tweet qui fait sortir à Scroya, il y a un CIUS de magnitude 5.8 qui frappait Haïti. Selon le premier rapport de protection civile, il y a des dégâts qui ont enregistré dans le Grand Nord. Le président de la République, il a prêté informé de la situation, il a travaillé avec instances concernées pour capable porter une réponse appropriée. Séisme de magnitude 5.8. Alors selon ça, et qui sous compte Twitter, président républicain Jovenel Moïse Assoya. Et là, on a continué à regarder avec correspondant nous comment la réalité a présenté, qui genre et bien situation lui-même liée. Et je pense que nous devons faire contact avec Port-Paix, Marc Eddy Ossam.
qui est capable de partager dernière précision avec nous, puisque l'épicentre est localisé dans la zone ça, dans le nord-ouest, et nous l'attendons, nous sommes Saint-Louis du Nord, nous sommes ville Port-au-Prince, et d'ailleurs dans l'hôpital là, et même médecin ont essayé d'échapper pour lui par rapport avec panique qui était gagné dans le moment où il a fini de trembler, et quand le monde qui était obligé était dehors, et c'est même réalité, à gens de pour Gonaïve, nous avons discuté, partagé avec eux qui sont bien comme information, et n'est-ce pas, et songez tout ça que tu arrives de janvier, de toute manière, là, il y a des mesures appropriées qui prend, des dispositions qui sont adoptées. Selon ça, le gouvernement souligné hein, pour permettre aux gens qui sont victimes, permettre aux zones qui sont victimes, de porter secours, de porter réponse sans demander. Dans le niveau de la télévision nationale d'Haïti, à côté de l'émission spéciale, ça, à côté de ça qui a passé sur la radio nationale, de moment on a parlé là tout, il y a une équipe nous dépêcher dans l'Antibonite, il y a une équipe nous dépêcher dans le département du Nord, il y a une équipe nous qui allait dans le Nord-Ouest, qui pourra très certainement partager l'image avec nous, qui pourra parler avec le responsable protection civile dans la zone Sayo, de telle sorte que nous sommes capables d'informer et porter information qui correspondent à ce qui a passé effectivement sous terre. On a parlé de Saint-Marc, on a parlé de Gaumont, très certainement, nous n'étions pas là avec député Gaumont avant d'entrer dans le studio. Gaumont, il y a des dégâts qui enregistrés. On a bien pour nous faire le point avec député Fritz Chéri, équipe nous dirigeait déjà et sur route là pour la Gaumont. Équipe de tout pour le passer, comment ça y est, au niveau Saint-Louis du Nord, au niveau Port-au-Prince, au niveau Saint-Marc de l'Antibonite, puisque il y a des informations qui sont venues jouer nous à Soya. Et pour permettre que ça cap Dieu, effectivement, c'est ça, oui, TNH, dépêcher l'équipe Sayo. Et là, et sitôt que arrivé, sitôt que l'image vous paraît, n'a pas partagé avec vous. Et là, quand on a Haïti ou à l'étranger, on est en mesure de gagner des informations vraiment sûres, des informations correctes sur ce qui a passé effectivement suite à passage tremblement de terre ça samedi 6 octobre. Là maintenant, nous parlons Fritz Chéri, nous parlons de député Gomanan, député circonscription Gomanan, qui avec nous, qui va dire exactement qui j'ai ça y est, puisque en pile d'informations, tu as fait quoi, en pile dégâts, il y a des dégâts considérables qui ont enregistré Gomanan. Député Fritz Chéri, bonjour, comment ça y est, qui j'ai Gomanan hier, dans le moment où on a parlé là. Bon, ils vont sur place, parce que nous, à peine, retirer le jeune garçon. Et les journaux que nous appelons voyons en mode qui lui-même était en bas auditoriumement, donc il était fait arriver, sont achetés à manger. Donc il y a au moment que l'a mangé, puis probablement était là, il est arrivé, il s'est mouru. Nous, actuellement, il y a un pile matériel, vraiment un pile matériel, pelle de savatrice, reloader, il y a un pile bascule qui sous place, des ingénieurs qui sous place. Nous démarrer déjà à l'opération pour arriver lever des blés. Donc, il y a un petit gouvernement qui tombe plat, qui est presque en face de l'église catholique là. Il y a un autre cas qui lui-même tombe terrain, la belle, il y a un autre qui mourit tout. Et vous, il y a un mort tout. L'opération lui-même a commencé. Il y a un pile cas qui lui-même est touché. Il y a un commissariat qui a deux bâtiments. Il y a deux bâtiments qui sont capables de les policiers et la dalle qui ont gardé à vue. Donc, gardé à vue, ça n'a pas existé. Et il y a trois prisonniers. Donc, j'ai fait obligé de venir. Et bien, on est en bas de l'administration pour eux, parce qu'on va arrêter un bâtiment. Et dans la quatrième section, il faut qu'on ait un pile qui est craqué. Et à date, nous faisons contact, nous ne pouvons pas connaître combien de monde qui sont victimes. On nous dit que l'hôpital à la matinée recevra blessés. Dans la 8e section, la ville Gaumont, c'est junior. Donc, c'est dans la rue, il faut que bien pile caille également. Pour envoyer de gonner un topo de situation, n'est que demain, donc on a. Allô, député? Député Fritz Chéri? Oui. Allô, ou avec nous? Entendez-nous? Oui. Voilà, maintenant, qui ça chiffre exactement? Combien de monde nous est censé qui perdu la vie? Combien de monde nous est censé qui t'a blessé? Combien de cailles qui t'a un problème dans la ville là?
Mais nous pouvons faire estimation pour les cailles et qui sont endommagés, qui sont écrasés. Mais nous. Communication a passé mal. C'est actuellement. Communication a passé mal dans mon. Changer de position, député Fritz Chéri. Toi qui t'apprends le bon nous, on dit bilan. Combien de monde qui déjà au 105 t'a perdu la vie? Allô, député? Oui, mais nous avons fait l'union. Ok, parfait. Alors, nous avons regardé combien de monde, dans le moment où on a parlé, au 105 qui mourit, et combien de blessés ont arrêté au 105 dans le moment où on a parlé là? Allez. Communication très difficile, hein? Communication très difficile, Régie a fait contact avec le député Gomana Fritz Chéri, qui a dit nous, mais déjà il a souligné qu'on a un jeune garçon fait que vous êtes mort, et on tout, puisque l'auditeur m'a tombé, j'étais fait que j'ai acheté manger, j'étais dans la zone là, et puis il est tombé sous lit, et puis il y a tout, il a parlé de notre caille, qui n'est pas trop loin, qui vient tout à gagner, un monde qui a perdu la vie, déjà, et, ça fait deux mounes. Selon précision député, elle t'apprend peut-être ben nous plus de détails, et, mais au parcours en mesure pour dire combien de cailles qui effondrées, combien de cailles qui écrasées. Mais là, et pour le niveau commissariat, tout, il y a une dans le bâtiment qui n'est pas utilisé, selon et précision et Lugo maintenant. Fritz Chéri, qui d'ailleurs dit sous place, et déjà gagné des dispositions qui prend pour permettre que yo porter secours à Mounsao qui est en situation difficile. Il parlait de matériel lourd qui est déjà sous place, puisque j'ai le précisé là, gagné, n'est-ce pas, et auditeur maintenant qui tombait, gagné de l'autre bâtiment encore, qui t'a effondré. Est-ce que le député a retourné, Régie? Non? Oui, bien. Député Fritz Chéri. Oui, bien, non, c'est okay, bien quand on retourne, nous t'avons gardé avant communication, on était coupé. Hein. Qui ça a chifflé pour les gens qui mourent, pour les gens qui blessé? Oui, nous avons déjà, oui, puisque nous avons déjà risqué deux morts, c'est ça que nous avons dit tout à l'heure. Okay. Et il y a une dizaine de blessés que l'hôpital a lui-même enregistré, il y a deux mondes qui continuent à venir, mais c'est deux mondes qui sont dans la 8e section de la ville Roubonne, avec une 4e section qui frappait en pile. Nous partons les yeux pour nous connaître combien de cailles qui crasent, qui fissurent, qui endommagent, mais nous sommes capables de gagner quelques institutions qui sévèrement touchées, notamment le commissariat. Et nous avons gagné l'auditorium qui est lui-même tombé plat à terre. Nous avons l'autre caille qui tombait tout et là-dedans, mon petit monde qui mourit. Donc c'est très malheureusement. Et puis il y a l'école Saint-Gabriel qui est lui-même qui endommagé sérieusement. Donc nous ne pouvons pas dire combien de monde qui mourit, puisque nous commençons avec opération pour lever du blé. Et où est tout ce qui est de l'autre monde qui est en bas des comptes. Donc c'est pour les sources que ça n'a fait là. Mais en ce qui a trait à matériel, nous gagnons matériel qui est sous place. Et de, nous gagnons des pelles extravagantes, nous gagnons l'odeur, nous gagnons un pile bascule qui est sous place, vraiment opérateur de TPDCO et CNE. Yo. Ils peuvent, il y a du travail, ça les aide pour nous capables. Ouais. Et donc, le dégâts, et puis faire une estimation de dégâts. Mais il faut nous dire que deux sections sont sévèrement touchées. C'est la 4e section côté de l'église catholique là, qui crase plat à tête. Et il y a une 8e section en pile, vraiment pile qui a écrasé, c'est dans la rue Mounioye. Et dans la ville, tout le monde dans la rue, parce que après gros secousse qui était gagné, c'est gagné que l'autre secousse. Qui était fait et qui m'a été de gros inquiétude, ça qui permet que mon lieu, il y a un gens et qui est, il n'y a pas voulu entrer en Macaï. C'est sûr que les autorités dans le pouvoir central, Captain Ola, Cap Gadeo, député Fritz Chéri, qui ça, dans le moment où on a parlé à Gouban, tu as besoin pour porter secours à moun qui, je dis, dans une situation difficile, suite à faiblement ça. Pour l'instant, moi, c'est que c'est le cas qui est endommagé. Et il y a des gens qui sont dans la rue, et donc, les gens dans la rue, donc, pour être privés de ensemble de besoins, puisque le cas est écrasé. Donc, quand nous disons qu'il y a un délégué départemental, il y a un vice-délégué qui est présent, donc, il y a la justice, la police qui est là, qui est présent. Donc, mon lieu eux-mêmes, ils ont gagné, donc, sans doute, de bagaille pour que eux-mêmes, ils ont porté au secours, puisque
pour jamais de là. Et demain matin, donc, n'a bien rien pour nous visiter tout côté qui touche yo, et n'a pas capable besoin yo, et véritablement. Mais pour l'instant, nous pensons que, moun yo, nous avons besoin d'assistance, donc, ici, on a la rue. Parfait. Ah ben, on a pris en contact, député, très certainement, et demain matin, on est capable de gagner plus de détails sur ce qui passé, et bilan, la première permettre que nous comprenions qui j'ai en réalité à présenter pour Gaumont exactement. Merci en pile et bon travail. Et là, merci Serginho, et on a beaucoup de chapeau encore une fois à Mamla Kouaoujo, qui est même là, et qui a porté secours, et vice-délégation, délégation, et puis président de la République là, et premier ministre, et même des les autres. Et vraiment, délégation départementale de la République, CNE, yo sous place et actuellement, c'est une opération levée de Bléon qui commence. D'accord, merci infiniment, député Chéri. Merci beaucoup. Voilà, député Fritz Chéri, député circonscription Gaumont, qui t'a parlé avec nous en direct de circonscription Lien, puisque l'issue sur place, selon ça le précisé pour nous là, il a gagné et matériel CNE, matériel TPTC, qui a levé les blaireaux. Puisque là, il est déjà recensé deux mouns qui ont perdu la vie dans Gaumont, dont une dizaine de blessés, et plusieurs cas qui ont endommagé. De troisième, quatrième section, et situation paraît très difficile. Et là, puisque tu as gagné deux répliques après. Et tremblement de terre gros et séisme 5.9 là, puisque j'ai un petit souligné lui, capable de gagner réplique n'importe qui là, mais sauf que réplique à magnitude inférieure à 5.9. Là, et ça qui fait que en pile dans Mounio, selon le député Fritz Chéri, dans la rue, il n'a pas rentré. Et d'ailleurs, en pile là, de tout caillou endommagé. Bon, très certainement, et lui promettre dès demain, fait, disons, un peu plus tard, parce que déjà dimanche, il pourra gagner pour visiter, garder, et puis là, il est capable vraiment et mesurer qui ça dégagé et qui ça réponse, très certainement, à l'ouïe. Mais pour qu'on y a gagné, même la croix qui sous place, c'est délégation, les y ont mobilisé, délégation départementale là, vice-délégation, à bon côté partout, ils ont mobilisé, équipe TPTC, CNE, qui déjà à pied d'œuvre, cap travail et cap poté toute bourrade qu'il faut. On va continuer là, qui est-ce Régis Bral Benou? Qui est-ce Régis Bral Benou? Pas oublier, nous en direct, Télévision Nationale d'Haïti, information pas campée et au pape campé. Nous prenons le port de paix, finalement. Nous rejoignons le correspondant, nous, Marc Eddy Ossam. Marc Eddy, bonjour, comment ça y est? Comment pour payer suite à tremblement de terre qui produit samedi 6 octobre avec 8h11 dans la soirée? Allô, Marc Eddy? Nous saluons tous les spectateurs de la télévision nationale d'Haïti. Et nous avons une région qui a dit que nous avons 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 dit que du côté, on a parlé là, Bill, qui a fait état de 7 000 déjà. Il a mouillé, on a parlé de leçon et d'après l'institution agronomique, qui vient de coordonner la sécurité, la protection civile dans le département. Alors, Marc Eddy, qui va le faire entendre des précisions, coordonnateur protection civile dans le département de l'Ouest là. Là, et Marc-Eddy parlait de 7 mouns, tu as perdu la vie, selon précision protection civile. De toute manière, Marc-Eddy, allô? Bon, et la preuve fait contact, communication qui va être très difficile avec Podpère. Alors là, Marc-Eddy Ossam, c'est correspondant de télévision sur l'Haïti, chef de l'Ouest, Podpère, qui t'a donné une idée de comment ça y est, il parlait déjà de 7 mouns. Régis a pu refaire contact yo, pour nous capable de continuer. Alors, il retourne. Marc-Eddy Ossam, ou là? Oui, Marc-Eddy. Allô? Oui, alors, et donc, c'est le bilan Pascalio qui fait déjà des secteurs et vraiment ça a coûté environ, il y a un certain coûté, alors, pour le collège, mais c'est où il y a un peu de conservation et avec la conservation de l'économie, il y a un peu de la conservation de l'hôpital qui est pour la fête de la vie. Et
Dorchelis family. Alors, ce sont pas audibles, hein, malheureusement, et pour pas de perdre, de toute manière, ça nous a retenu. On a gagné pour nous causer davantage, mais ça nous a retenu, gagné 7 mounes, bilan partiel, et 7 mounes dans le niveau nord-ouest qui t'a perdu la vie, selon le responsable de protection civile qui communiquait à nous dit Asroya, tes bilans. Parcel ça, suite à passage tremblement de terre, samedi 6 octobre, là, vers 8h10, 8h11, non à souhait, magnitude 5.9, selon dernier bulletin, bureau mine avec énergie météo et ingénieur Claude Prepti, saute confirmé pour nous en direct sous télévision nationale d'Haïti. Alors là, pour Gomon, parler de deux mounes qui perdent la vie et une dizaine de blessés, et plusieurs cas qui endommagés, paix pour Nord-Ouest et pour le zone qui sous côté. Tu as parlé de 7 mounes. Là, c'est quand même un bilan partiel. En attendant, il y a des détails, il y a l'autre chiffre qui vient. En attendant, responsable de protection civile, il veut gagner toute information, compiler toute information, surtout dans la zone qui touche, zone et notamment et département qui est dans le grand nord, pays d'Haïti, puisque, et puis cette langue était localisée dans le niveau nord-ouest, dans la tortue, dans la mer. Et c'est ça qui t'a créé panique, alerte tsunami. Mais ingénieur Prepti se dit tout à l'heure, pas de panique, t'es niveau ça, à faire tsunami 1, pas gagner sa pièce d'ailleurs, magnitude là 3, petit pour t'amener et tsunami. Et en plus, si t'as pas gagné le tout, c'est les 20-25 minutes après séisme là, t'es fin produit. Selon ça, ingénieur Claude Prepti, directeur général Bureau Mine Énergie 1, t'es fin qu'on est en direct sous télévision nationale d'Haïti. N'a pas continué avec émission spéciale ça, nous déjà parlé avec député Fruit Chéri de Gromone et qui promettent nous un peu plus tard pour le ben nous l'autre précision puisque les salades gagnent plus données par rapport avec visite de terrain que l'équipe Libral gagne pour faire dans les prochaines heures. Mais entre temps, dans le niveau Gromone gagne équipe TPTC CNE qui a pied d'œuvre, cap travail, cap déjà lancé opération pour déblayer. Et puis gagne dans le niveau Port-Pêche, j'en dis, hein, protection civile qui communiquait un bilan partiel de 7 mounes qui a perdu la vie. Séisme ça qui produit samedi 6 octobre là, pas seulement senti-il dans grand nord pays, dans la région dans grand nord pays, mais de senti-il tout dans Port-au-Prince et en pile monde dans la région métropolitaine là, te signalé nous ça et monde Kafou, monde qui dans et monde qui dans plein là, monde qui Pétionville, monde Delma, n'est-ce pas? Ici à le niveau télévision nationale d'Haïti Delma 33, n'est-ce pas? Nous t'ai senti sur Koussio et vers 8h11 samedi 6 octobre là. On va continuer à regarder comment réalité a. C'est ce que Régie a fait contact. Entre temps, ben nous rappeler gagner une cellule de crise que le gouvernement mettait campé sous instruction président républicain Jovenel Moïse et Premier ministre Jean-Henri Séan lui fait annonce là. Faut que nous soulignions le gouvernement dans le week-end de travail et c'est après le week-end la nouvelle a tombé. Pendant la nouvelle a tombé, disposition prend pour que cellule-là lui mette campé. Une cellule qui la donne plusieurs ministres. Ministre intérieur et collectivité territoriale, ministre santé publique et population, ministre défense, ministre planification et coopération externe, ministre environnement, ministre affaires sociales et travail, secrétaire d'État communication, secrétaire général conseil municipal, c'est ministre et secrétaire d'État ça qui en dedans ben cellule de crise qui mettait campé pour mon cap garder ou bien faire criver. Bon souligner, et selon unité technique sismologie UTS, Bureau Minac Énergie, qui est associé bien entendu à ministère environnement, secrétariat permanent qui a géré risque et désastre, il a confirmé qu'il y a un séisme de magnitude 5.9, donc tremblement de terre magnitude 5.9, sous l'échelle Richter qui a enregistré samedi 6 octobre là, vers 8h11 dans Assouet. Et puis cette là, il était localisé dans la mer, dans le canal La Tortue à environ 20.5 km ouest-nord-ouest Port de Paix et à 31.5 km ouest-nord-ouest de Saint-Louis du Nord. C'est ici à tout, puis le monde n'importe Port-au-Prince t'es senti lit. Et puis UTS rappelait que dimanche 23 septembre, il y a un séisme de magnitude 5.2 qui était enregistré à 57.6 km à l'est de Fort-Liberté, qui t'a parlé de réplique de magnitude
4.4 qui t'a pas venu après. Et le lundi 24 septembre, tu as un léger séisme de 3.6 qui t'est produit dans la mer à 18.3 km dans le nord-est Cap Haïtien. Tout séisme ça yo, yo localisé yo et yo aligné sous faille septentrionale là qui a accumulé s'il vous plaît énergie depuis 1842. Dans ce sens, UTS là qui c'est unité technique sismologie, il invite la population hein, à la prudence et l'imadel pour toujours tendre consignes, direction protection civile. Alors ça, c'est notre qui sorti, nous dit samedi 6 octobre 2018 là, et c'est directeur général du Bureau Minak Energia, ingénieur Claude Prepti, qui signale, qui d'ailleurs a intervenu tout à l'heure en direct sous télévision nationale d'Haïti. Et puis, l'autre précision pour nous faire, et c'est le séisme ça, et gagner des dégâts qui enregistré principalement dans le Grand Nord. Et là, le gouvernement qui présentait toute sympathie, nous sommes capables de mettre ça sous compte Twitter, Premier ministre Jean-Henri Séan, et qui dit exécutif là, dans le pire niveau, mobilisé, pour capable de porter réponse qui est appropriée et demander aux populations hein, pour faire preuve de prudence et lancer un appel au calme de la population. Et puis, pour le président de la République, Jovenel Moïse, dans un tweet, il fait connaître selon le premier rapport protection civile, il y a des dégâts qui sont enregistrés dans le Grand Nord. Et il dit qu'il a prêté informé de situation et il a travaillé avec instances qui concernaient pour capable porter réponse appropriée. Et puis, l'autre rappel nous tenu à faire, c'est celui ça qui m'était campé. C'est lui qui voit le travail et avec mon victime, avec zone qui victime. Il a signalé un niveau pilote dans le nord du pays et pilote a gagné des dégâts. Qui enregistré au niveau pilote et aussi à l'intour au niveau Limbé. Là, équipe nous qui dépêchait sur le terrain pour être capable de nous plus de détails et confirmer ensemble deux éléments qui sont capables de venir nous ici à notre studio de la 33. Au niveau Saint-Marc, tout, il y a des faits que nous signalons tout. Là, on a parlé pour nous confirmer un peu plus tard. On a parlé avec le secrétaire d'État en communication et dit Jackson Alexis, qui est avec nous en direct matin. Monsieur le secrétaire d'État, bonjour, en direct sous télévision nationale, qui ça gouvernement gagne en termes de bilan par rapport avec un séisme ça qui produit hier soir vers 8h10. Allô? Voilà, et j'y vais faire contact. Communication qui est coupée. Donc, rapidement rétabli communication avec secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis, qui là dans le gouvernement pour aller dire nous. Et qui ça a gagné en termes de bilan par rapport avec ça, où il veut compiler sur son bilan partiel et bon côté structure de protection civile locale. Dit Jackson Alexis pour aller dans le bilan et pour aller dire nous qui ça qui déjà prend en termes de mesures pour arriver à accompagner si là où qui est dans une situation difficile, zone ou bien commune qui t'a touché suite à passage tremblement de terre ça samedi 6 octobre là vers 8h11 dans la tremblement de terre qui surtout touché le grand nord du pays et même si en pile monde dans Port-au-Prince, en pile zone dans Port-au-Prince t'es senti secoué. Alors Régia qu'a fait contact avec le secrétaire d'État en communication et Eddie Jackson Alexis. Il souligne non. Monsieur le secrétaire d'État, bonjour. Rapidement, qui ça nous a en termes de bilan? Allô? Oui, les deux. Oui. Bonjour, en direct sous TLH, monsieur le secrétaire d'État. Est-ce qu'on recevra, vous entendez nous? Vous entendez nous? Nous avons une réunion, c'est le dieu Jackson. Nous recevons bien là. Nous recevons très bien, nous recevons très bien. Ok. Qui ça? Bonsoir à tout le monde qui a écouté la télévision nationale dans le SAR. Donc, bon, tout le monde mobilisé, c'est tout le pays. Hein. Nous ne pouvons pas dire non bien, puisque nous-mêmes qui sommes dans l'État, qui sommes ici des autorités, nous avons des délégations, nous n'avons pas de nos populations. Là, on part de nos populations. Là, on zone côté dans le pays. Des problèmes, c'est tout nous-mêmes qui rapidement affecté. Donc nous présentons ces parties nous, bah, mon département qui frappé par tremblement de terre là, notamment mon nord-ouest, mon la Tibonite et mon en partie dans le département du nord, surtout dans la commune Plaisance. Et nous avons annoncé le gouvernement à solidariser avec eux. Nous présentons tout condoléances à tous les gens qui sont victimes, puisque dans le département de Sahel, dans deux départements surtout, il y a des cas de décès, donc de morts qui ont enregistré dans Port-de-Paix et dans la commune Gaumont.
qui va annoncer le gouvernement depuis après-midi, la direction recevoir information. Nous avons rapidement mis fin à la retraite qui a fait dans le Cameroun, puisque c'était public qui a annoncé ça. Que y a une retraite gouvernementale qui a fait de 2 jours, samedi, hier, là, et aujourd'hui, dimanche, là, qui va continuer le matin. Mais il y a des informations qui viennent nous porter notre gouvernementale parce que nous, prématurément, nous avons fait la retraite là pour que nous statuions sur la question de tremblement de terre là. Rapidement, il y a une série de gestes constitués. Il y a notre premier ministre là, plusieurs entités, notamment le ministère de la Santé publique, le ministère des Travaux publics, le ministère intérieur, ministère affaires sociales, secrétaire d'État de la communication, secrétaire d'État à conseil des ministres qui étaient avec nous dans notre retraite là, les mêmes niveaux présents des présidents de la République là, dans la structure ça, dans cette ligne de crise là, pour que nous ayons une réponse. Parmi les deuxième décision qui prend, moi je premier à ces retraites à nos capables, la deuxième décision, il y a une délégation qui pour aller dans le nord-ouest demain matin, et au petit matin, au petit jour, pour que nous continuions à manifester solidarité avec Mounio et porter les premiers soins par Mounio, mais dans l'intervalle, il y a une instruction qui passait à la police, protection civile, les éléments de l'armée qui étaient dans la zone petite rivière de la Simonique qui possiblement venaient d'arriver dans le nord-ouest déjà, et bien qui arrivent pour mon tour pour qu'elle porte soin à Mounio, à aider Mounio et Alba Mounio soin on est obligé dans le moment ça et pour apporter appui nécessaire à la population qui vit dans le département de nord-ouest avec le nord. Quatrième décision, un élément d'information à Baou, c'est que dans Gomon, quand on m'a parlé, il y a 2 ambulances qui arrivent, qui a cherché blessé, et ailleurs, il y a des médecins qui ont porté sur Mounio, les gens qui sont plus graves, il y a pas de grave dans l'hôpital de la Providence, et ambulance a tourné encore, puisque il y a environ une centaine de blessés, sur un élément d'information qui a été collecté dans Gomon. Donc, dans le département de la Tibonite, et dans le département nord-ouest, il y a à peu près même quantité de monde qui est blessé dans le département. Et là, direction Alexis, qui ça a bilan, même son bilan partiel, ou ensemble de zones qui touchaient bon, suite à passer à très partiel, très partiel. Et les manifestations ont venu de temps en temps de plusieurs structures sous place. Il y a la protection civile qui a collecté les informations, et les hôpitaux tout qui, très probablement, par moment, pas tout à fait coordonné avec la protection civile. Donc, pour éviter qu'il y ait au moins 7 personnes qui mourent dans le tremblement de terre, mais on connaît un bilan d'après partiel, puisque, une nuit, le signal est nous l'a bien trouvé dans le nord-ouest, donc tout ça qui est arrivé, et au lever du jour, les nombres nous a privé dans le nord-ouest, et il a continué à communiquer nos informations, ce bilan a augmenté. Parfait, parce que il y a un média qui a rapporté que, ou tu as souligné qu'il y a 11 personnes qui mourent, c'est ça? Oui, oui. C'est moi-même personnellement qui parle avec nos ministres, c'est pour élément de voir ce que nous avons gagné, qui communique nos quantités signalées. Mais on n'a pas chita tout à fait la cognition sur ça. Et ça, c'est que généralissime et nous-mêmes, le gouvernement, on a continué à répondre. Donc, quand il y a en tout cas, élément de voir sur nos contacts, nos populaires là, actuellement, il y a pour 2 départements, il y a 7 personnes. Et nous, on dit, je m'avais dit, oui, à la baisse, élément d'information, ça. Mais entre, quand il n'y a pas la voilà là, et demain matin, nous ne savons pas qu'il y a des gens qui ont dénombré. Est-ce que ça a touché, ça n'a pas posé à la baisse? Ça a fait tout côté. Il y a un élément d'information, c'est gagné. Les gens qui ont mouru, ils vivent pour nous tous. Nous connaissons que nous avons du moins de monde, parce que plus de ressources sont dans le pays, il y a assez de monde. Parfait. Et là, pour les zones qui touchent, le gouvernement est mobilisé et réponse pour le porter rapidement. Réponse pour commencer à voter. Et moi, je dis, il y a une équipe sanitaire qui a cheminé au petit jour par Mounio. Et déjà, il y a une ambulance qui est sur place dans le gros monde. Il y a un convoi tout qui est en direction nord-ouest pour aller voter sur le monde pour deux pays. Depuis dans la soirée, nous avons communiqué nos informations. Donc, dans le premier moment, il y a un travail public qui était instruit, équipe qui est sur place, mobilité équipement mécanique. Il y a un pour aller déplier des zones côté éventuellement. De signaler nous capables de vivre dans la défense. Parfait. Ah ben, secrétaire d'État, on a prêté en contact. Et si tu as des informations, micro de l'ouvrir pour nous capables de partager toutes les données avec téléspectateurs et téléspectatrices CNHO.
toujours à votre disposition. Merci infiniment. Merci infiniment. Voilà, secrétaire d'État en communication, Eddie Jackson Alexis, en direct, dans le téléphone. Écoutez, bonne nous, précision, yo, et là, il confirme que, jusqu'à présent, bilan très partiel, j'en souligne là, 7 moun, perdu la vie, et a continué, compiler information, et gain équipe qui t'a repris direction nord-ouest, bien bonheur, on nous dit tout à l'heure comme ça, puisque nous déjà dimanche 7 octobre 2018, Eddie, nous déjà dimanche, et équipe là, va aller, bien bonheur, même s'il soulignait tout, gagner des ambulances qui déjà arrivé Goumol, gagner tout pour de paix et gagner mesures qui prend pour capable répondre et porter une réponse appropriée à la situation. On parlait tout de M. Fossame qui, quand on est dans Rivière, qui ont même tout mobilisé pour aller Baïbourad Payo et surtout Amoun qui est victime dans le niveau Goumol. Et là, on retourne tout sous cellule là. Cellule d'urgence qui m'était campée, cellule de crise qui a donné plusieurs entités sous direction, bien entendu, Premier ministre Jean-Henri Seyer. Gouvernement en retraite, suite à passage tremblement de terre, retraite là, l'ICAPE, puisque là maintenant, il faut gagner des réponses appropriées qui baillent. Et c'est ça, secrétaire d'État communication souhaite souligner, sous instruction président Jovenel Moïse, disposition à prendre pour porter des solutions. Et là, dans les prochaines heures, il y a capable en mesure pour partager bilan en termes de dégâts, bilan par rapport à monde qui a perdu la vie, blessé, et qui s'est tout reporté en termes de réponses. Et nous autres, au niveau de la télévision nationale d'Haïti, n'a pas été mobilisé. N'a toujours là et n'a pu partager information avec vous. N'a pas le campé là pour Asoya, pour matin, puisque déjà dimanche matin. Merci parce qu'on est avec nous, merci parce qu'on fait une confiance et merci parce qu'on continue à suivre la programmation. Nous avons rappelé l'équipe nous dépêcher souterrain, n'a pas souterrain un peu plus tard pour image capable de joindre nous. N'a pas la Sibonite, n'a pas le nord-ouest, n'a pas le nord. Et là, incessamment, image pour arriver. Pour nous capables de gagner des dernières données, nous allons parler de la protection civile, nous allons regarder qui sa réalité exactement. Le gouvernement a annoncé la souterraine, nous allons porter l'image ça au pour, bien entendu, vraiment qui va permettre que nous gagnions toute dernière information, toute dernière précision sur ce qui passé à passage entre le monde ça, samedi 6 octobre, vers 8h, magnitude 5.9, selon Bureau Mine avec Énergie. Et là, au niveau de l'État, en plus de mobilisation, nous allons avec Twitter, président République, Jovenel Moïse, qui lui-même a souligné yo mobilisé et a prêté informé de situation 1 et gagné des dispositions qui prend, instructions qui ajoutent le gouvernement pour qu'il soit capable de faire ça ou de faire pour répondre à sa réalité à exiger. Et là, le gouvernement, à travers le Premier ministre Jean-Henri Seyer, a annoncé yo monter cellule de crise à Geladan, plusieurs entités, ministère intérieur, ministère TPTC, affaires sociales et travail, secrétaire d'État communication, secrétaire général conseil et ministre, ministre environnement, ministre justice et sécurité publique, ministre santé publique et population, ils ont même tout le gain pour travail et arriver pour tes réponses. Et nous-mêmes dans TNH, nous avons fourni, j'ai regardé et nous avons partagé au moment opportun toute information jugée utile et nécessaire sur ce qu'a fait et qui j'ai en réalité à lui-même lié souterrain effectivement. Merci tout le monde, restez avec nous et très certainement, on va retourner un peu plus tard pour l'autre détail, pour l'autre précision, puisque nous sommes chaîne de service public là, nous n'avons pas d'autre choix, sinon que quelqu'un m'a informé.